Pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. C'est Audrey pour les ateliers à la maison. Aujourd'hui, je vais vous proposer de créer une partition magique. C'est-à-dire que vous allez travailler avec le hasard en choisissant des couleurs pour les notes et vous allez voir qu'une partition magique va apparaître. Pour cela, vous aurez besoin d'un livre ou d'un magazine dans lequel vous pourrez dessiner. Alors, ce n'est pas quelque chose que l'on fait habituellement, mais il arrive des fois que l'on doit recycler des livres dans lesquels il manque des pages, il a été déchiré, enfin, il est usé. Dans ce cas-là, vous pouvez le recycler d'une manière plus poétique et artistique. La musique a beaucoup inspiré des peintres, dont Kandinsky, qui est pour moi celui qui a le plus travaillé en collaboration avec la musique. Kandinsky utilisait la synesthésie. La synesthésie est un phénomène qui est passionnant pour moi. Seulement, tout vous expliquer là en une vidéo, ça va prendre énormément de temps. Alors je ferai une autre petite vidéo sur la synesthésie si vous voulez bien. Pour expliquer la synesthésie d'une manière simple, la synesthésie c'est une manière d'utiliser un sens en association avec un autre sens. Par exemple, le goût peut avoir une couleur chez certaines personnes. Ou, quand elles lisent des mots, les mots ou les lettres ont des couleurs. Ici, on va utiliser la synesthésie de la musique en couleurs. Juste avant de commencer, je vous propose un diaporama avec des peintures de Monsieur Kandinsky. I left my gate and went out for a walk. How does it feel when you got no food? As I passed the dreadlocks camp. Dans la peinture de Kandinsky peut apparaître des symboles et des couleurs qui font comme un solfège, comme une partition un peu extraordinaire d'une musique. Cela peut être une musique intérieure ou une musique que l'on peut entendre tout simplement. Ce qui est magique avec la musique et la couleur, c'est qu'il y a 7 notes de musique dans une gamme majeure et il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Donc vous allez pouvoir vous faire comme un code couleur. Une note va avoir sa couleur. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'être un compositeur du hasard. Un compositeur de la couleur, d'utiliser des mots qui sont déjà sur une page que vous choisirez, d'aller piocher tous les mots qui auraient le son des notes do, ré, mi, fa, sol, la, si. Vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de do, mais il y a beaucoup de ré et de la. On voit ça en étapes ensemble en vidéo. On y va. Dans un premier temps, lorsque j'ai choisi ma page, je vais entourer tous les do, ré, mi, fa, sol, la, si que je trouve dans le texte. Quand vous avez à peu près vos notes de musique repérées dans le texte, vous pouvez ensuite repasser sur tous les mots avec une couleur foncée. Lorsque vous avez terminé de barrer tous les autres mots à part les notes de musique, je vous propose de laisser de côté avec un marque-page et de travailler sur une autre feuille à votre gamme majeure. C'est-à-dire qu'à chaque note, vous allez essayer de travailler une couleur, de faire correspondre une couleur avec une note de musique. Ce qui est simple, c'est qu'il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, comme 7 couleurs de notes de musique. C'est à vous. N'hésitez pas à faire des mélanges de couleurs avec votre crayon de couleur. Il peut aussi y avoir des motifs. Ensuite, lorsque vous avez déterminé les couleurs de votre gamme,
Je vous propose de donner un titre à chaque couleur. Par exemple, ici, le la est bleu-violet comme le ciel orageux. Et vous écrivez. Ensuite, quand vous avez fait votre gamme de couleurs avec vos jolis titres, vous avez juste à colorier toutes les notes de la bonne couleur. Quand vous avez colorié toutes vos notes de musique, je vous propose de colorier tous les espaces en blanc. Peut-être avec une autre couleur, histoire que toutes les notes puissent mieux ressortir. Session was there in swing. How does it feel when you got no food? And you could feel the chill as I seen and heard them say. How does it feel when you got no food? Pass the touchy on the left hand side. Pass the touchy on the left hand side. N'hésitez pas à reprendre vos couleurs de notes et de vraiment accentuer là où elles sont, histoire que ça ressorte avec, pourquoi pas, des petites spirales qui vont venir se mélanger à votre couleur de fond. Voilà, j'ai détaché la feuille du livre et j'ai recadré à peu près. Maintenant, avec des feutres, je vais venir colorier. Par exemple, toutes les voyelles, je vais colorier tous les O, histoire en fait d'enrichir le fond. Avec un crayon plus fin, je vais venir prolonger les L. Tous les L que je vois, je vais les prolonger. Voilà, c'était l'atelier à la maison. Maintenant, à vous de jouer votre partition magique. Si vous êtes musicien, il ne reste plus qu'à jouer votre création. Vous savez que vous êtes compositeur. Pourquoi pas partager avec nous votre création musicale. Nous sommes partis des mots pour en faire de la musique à travers la couleur. Si ça, c'est pas magique, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre atelier. Prenez bien soin de vous. On se revoit très vite. Au revoir.